Alors, on va essayer d'entamer les autres lettres qui restent, parce que ce sont des lettres qui sont d'une pure simplicité. Donc, pourquoi Parce qu'ils ont des équivalents en langue française. Notez que ça, c'est KLMN. n Donc, on va travailler ce KLMN. D'ailleurs, en alphabet, on a KLMN. Française, en alphabet français. Vous avez vraiment KLMN. Celui-là, c'est tout simplement l'équivalent de K. Le voilà. Voilà. Et voilà. Je vais utiliser ce con. C'est exactement K. Al-Fetha. Al-Kasra. Adama. Al Al-Fetha. Ça va devenir K. Avec Al-Kasra, ça va devenir Ki. Avec Adama, ça va devenir tout simplement Kou. Donc K. Ki. Kou. K. Il faut absolument apprendre celui-là. K-L-M-N. l m, -n. K -l -m -n. N Parce que c'est très simple Donc, je passe à L, c'est-à-dire à, à l'âme Voilà Tac Tac Comme ça Et comme ça Donc ça, c'est tout simplement Voilà, à seconde al-fatha al-kasra adam. Ça, c'est tout simplement il. Ça, c'est tout simplement la. Ça, c'est tout simplement li. Ça, c'était simplement lou. La, li, lou, il. Maintenant, on passe au mime, c'est-à-dire l'équivalent de m. Donc le mime, ça peut s'écrire comme ça, si vous voulez. Ou vous pouvez utiliser comme ça par exemple. Regardez, vous faites tac, tac, tac. Ou vous pouvez mettre comme ça si vous voulez. Ou comme ça. Donc ça c'est mime. 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 Donc si on utilise soukoun, c'est tout simplement M. Mm, elle fatha, ça va devenir Ma al kasra ça va devenir mi adama Ad ça va devenir tout simplement mou donc ma mi mou m mm. ma mi mou mm. là je passe maintenant directement à n à l'équivalent de n qui est tout simplement un nun donc Tac, point comme ça point comme ça point notez que ça c'est la ligne donc ça donc al c'est l'exact et c'est l'équivalent de n al fatha ça va devenir na al kasra ça va devenir ni al damma ça va devenir tout simplement nous donc na ni nous n na ni nous n na ni nous après, on va voir ces autres-là.